de vous présenter la nouvelle collection H&M, une collection sur mesure pour accompagner l'armée d'occupation israélienne. Vive les bombes au phosphore! Vive les bombes au phosphore! Vive les bombes au phosphore! Vive H&M, vive la terreur! Vive la terreur! Dans les colonies! Vive les colonies! Vive les colonies! Voilà la tenue de printemps, H&M, vive l'occupation! Vive l'occupation! La colonisation! Vive les barbelés! Vive les barbelés! Vive les miradors! Vive les murs! Vive les murs! Et vive la torture! Vive la torture! Bravo H&M! Bravo H&M! Qui investissent en Israël alors qu'Israël commet depuis 1948 des violations du droit international en toute impunité. H&M dit respecter le pacte mondial de l'ONU alors que même qu'elle investit dans un pays qui ne respecte plus les droits les plus fondamentaux. Nous demandons à H&M de désinvestir d'Israël tant qu'Israël ne respectera pas les droits de l'homme conformément à l'appel des Palestiniens. Boycott! Israël! Boycott! Israël! Boycott! H&M, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. H&M, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. H&M, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Shame on H&M. Shame, shame on H&M. Nous sommes ici pour dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et H&M est un profiteur de guerre. Nous demandons à H&M d'arrêter d'encourager les massacres israéliens, les massacres des criminels de guerre israéliens. Eh bien, nous reviendrons dans ce magasin ou dans d'autres magasins H&M pour expliquer à la clientèle de quoi il en retourne et que la mode, la botte ne se marie pas forcément avec la guerre, que la mode ne se marie pas avec les massacres. H&M, vive les bombes au phosphore! Vive les bombes au phosphore! H&M, vive le plomb durci! Vive le plomb durci! H&M,